Oh là là, bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash Royale. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va partir aujourd'hui sur du géant royal. Est-ce qu'il est meilleur qu'avant? Est-ce qu'il est moins bon qu'avant? Je vous mettrai un petit sondage en fin de vidéo qui sera directement sur la vidéo où vous pourrez voter et je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo. En tout cas, bah écoutez les potes, bon je vous le dis, j'ai oublié mon appareil photo Sony chez moi, du coup voilà, j'ai cette webcam. Bon, la qualité en fait ça me rappelle les vidéos d'avant que je faisais il y a 2-3 ans, donc c'est assez drôle, je kiffe. Donc j'ai créé un deck géant royal pour vous, j'en ai testé qui me plaisait pas. Du coup j'ai créé un deck géant royal, je vais vous expliquer un peu les cartes. On a le poison bûche, ça permet de faire reculer les troupes, j'adore. Contre le lockbait c'est génial, contre les decks fuite gobelins c'est génial. Le poison pour chercher les pompes, Valkyrie pour gérer 3 mousquetaires. Ici on a 2 supports aériens pour le géant royal. Ici les gardes, on a tout simplement, eh bien écoutez mesdames messieurs, une arme fantastique pour gérer les princes, les mini PK qu'on voit beaucoup, les bûcherons et surtout les barbares d'élite. Donc j'aime beaucoup. Et on a également les voilà 2 supports aériens et la tombstone qui permet d'avoir des petits squelettes qui vont des fois accompagner le géant royal. Donc perso j'aime beaucoup ce deck, c'est moi qui l'ai créé, donc voilà, n'hésitez pas à le jouer et à me... Ok, donc là on va mettre ça. Non, commence très mal. Commence très mal. Donc n'hésitez pas à le jouer et à mettre vos résultats. On va prendre... Oh là, ok, ça va, on a pris deux coups. À mettre vos résultats dans le journal de bataille. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir que vous avez fait des petites perfs avec ce deck qui moi me régale, hein, perso. Donc on a le premier combo entre guillemets qui se met en place. Géant royal plus tombstone. Vraiment sympa d'avoir les squelettes qui viennent aider le géant royal. Donc là forcément... Ok, on a mis le petit coup donc. Typiquement ici, on aurait peut-être préféré l'ancien géant royal qui aurait tapé de plus loin, certes qui aurait tapé avec moins de dégâts mais qui aurait tapé deux fois. Donc voilà, ici l'ancien géant royal aurait été mieux. Et je vous le dis, mon avis c'est quoi? C'est que le géant royal a été changé et pas forcément bien. Voilà, je pense qu'il était meilleur avant. Parce que maintenant il est plus simple à défendre. En fait si vous tombez contre un joueur moyen, il va être meilleur parce qu'il ne saura pas forcément le défendre. Mais si vous tombez contre un bon joueur, il va vraiment savoir vous le défendre. Notamment avec les tornades. Avec la tornade c'est vraiment génial. Avec la bûche aussi parce que vous le faites reculer. Et comme il met plus de temps à venir, eh bien il y a des petits freeze de webcam. Je suis désolé, je sais pas d'où ça vient. Bon c'est pas grave, ouais. Ça va être trop lourd si ça apparaît trop souvent, ça va m'énerver. Donc mettez moi votre avis là dessus sur le géant royal en fin de vidéo. Ou alors je vous le mettrai main, je sais pas. Ouais, ils seront en fin de vidéo histoire que vous voyez vraiment un maximum de game. Je pense que c'est le mieux. Ok, on va s'attendre peut-être à des petites gargouilles en face. On met les nôtres. On s'attend peut-être à un petit canon, évidemment. Donc les gargouilles qui vont faire un bon taf. Voilà, nickel. On va mettre 2 coups de géant royal. Au niveau 13, il tape à 300. C'est assez énorme. Les gargouilles derrière. Ok, on n'a pas mis le dernier coup. Tant pis. Mais je crois qu'il y a un petit squelette qui tapait. Non, pas de petit squelette. Je crois qu'il y a un petit squelette qui tapait. Pas du tout. Ok, donc là on est pas mal. Pour l'instant on est pas mal, on est vraiment bien. Bon, l'important ça va être vraiment la défense. Si vous vous concentrez sur la défense, vous pourrez au pire faire des petits grattages poison. Alors si vous perdez le tour déjà, ça va vraiment être très compliqué. La première boule de feu qui est partie. Je propose de partir à gauche. On s'attend peut-être à un canon. On va mettre les gargouilles. La Valkyrie, ok, donc là on va facilement la gérer. Les petits freeze de webcam les gars, je suis désolé, ça me saoule. Mon Sony, rendez-moi mon Sony, j'ai oublié mon Sony chez un pote, du coup voilà. Je suis en galère, je suis à la webcam. Terrible, on va remettre ça avec la Valkyrie. On va mettre les petits gardes devant. Voilà, nickel. Attention, je crois pas se faire surprendre ici hein, dans cette partie. Il a une Valkyrie, enfin pardon, pas une Valkyrie, une mousquetaire qui reste en vie. Hop, on va gérer ça. On va mettre un petit coup de géant royal. Allez, encore. Parfois. C'est pas gagné cette histoire. Hein. Un coup. Voilà. C'était pas gagné cette plaisanterie. On s'en sort bien. Mais attention, encore une fois, la défense. Très important. Pendant que je vais me faire un petit. Attendez. Je vais vous montrer. C'est pas un diabolo. Je me fais en fait du sirop avec de l'eau gazeuse. Et je kiffe. Et en fait c'est moins sucré, putain, hashtag diète. Non mais je préfère en fait, c'est un meilleur goût avec de l'eau gazeuse qu'avec de la limonade je trouve. C'est fantastique. Très très bon. Alors, j'ai perdu le bouchon. On va essayer de pré-shot. Voilà, nickel. Donc le pré-shot de mineur, très important.
qui fait vraiment toute la différence. On va attendre un peu avant de jouer le géant royal, histoire de voir ce que ça joue. Il a bien placé son sorcier. Il l'a vraiment bien placé. On met le petit coup. Ok, du mineur, pour l'instant pas plus d'infos. Passer à gauche. Ok, donc là regardez-moi ça, c'est vraiment fantastique. Hop, bon là la voleuse qu'on a laissée. Et on a du dragon de l'enfer en face. Okay. On aurait pu mettre les petits gardes, je préfère mettre la bûche, un peu moins cher aussi. Et on garde les gars. Non, oui. On garde les gardes, c'était beau ça. Et on garde les gardes pour d'autres troupes. Ok. Bon, j'ai pas fait. J'aurais mieux fait de défendre la voleuse, mais c'est pas grave. Méga chevalier. Donc là, c'est vraiment sympa. On va mettre la pierre tombale. Hélicoptère. Salut, salut. Très bien. D'accord. Assez énervé cet hélicoptère. Oui, il fait un peu de bruit, désolé. Oui, c'est. Les aléas du direct, évidemment. Nous ne sommes pas en direct. Ok. Alors, la Valkyrie qui tient très bien. En plus, elle est paralysée par le sorcier. Cette carte est vraiment trop forte. Je suis désolé, mais moi, je la trouve vraiment trop, trop stylée. J'adore. Alors, dragon de l'enfer en face. J'aurais pu passer le GR, c'est vrai. J'aurais pu mettre le géant royal. On n'est pas en danger, on va le mettre fond de map. Donc là, on va vraiment prendre l'avantage sur l'adversaire dans quelques instants. Hop. Les petits gardes. Et on part sur du dragon de l'enfer. Le fameux. Donc là, on va pas hésiter à mettre la sauce pour défendre. Hop. Méga chevalier, bon il en pouvait aussi. Hein. Pas de sort de zap malheureusement, on peut quand même lâcher le petit coup. On lâche pas le petit coup. Ça, ça fait pas plaisir. Mais c'est pas grave, on quand même, on réussit à défendre dans son camp. Ce qui est vraiment très très... ça a beaucoup de valeur ce qu'on a fait en soi. Là on pêchote. Ah il en a... Putain il a déjà cyclé. Non. Je suis blasé de la life les potes. On met quand même deux coups. Ok, sur ces électros. Tant qu'on arrive à défendre, il n'y a pas de soucis. Ok, ok, j'adore ma vie. Ok, j'ai eu lueur d'espoir comme quoi elle allait passer à gauche sur la fantastique tombstone. On va le pré-shot là. Très agressif, c'est gagné. Allez, adios. Voilà. Les amis, ouais, ça me rend vraiment très blanc cette webcam, c'est horrible. Je promets que je suis pas blanc comme ça. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un shirt noir. Et que simplement j'ai une lumière qui est blanche, donc ça reflète. Et voilà. On est contre quelqu'un du clan Raclette eSport, incroyable. Raclette eSport. Non, je suis en mode, ouais, non, je ne suis pas aussi blanc, je ne passe pas toute ma vie sur l'écran non plus. Royal Ghost. Ok. Ok, ça sent le PK, la voleuse, etc. Ouais. Machine volante, il faut s'en occuper directement. C'est bien ce petit bouton mute là, j'adore. J'adore ce bouton, on peut éternuer tranquille, c'est génial. Je suis un petit peu encore malade les potes, je vous l'avais dit. Est-ce qu'on peut gérer les deux? Pour l'instant, zéro dégâts. Allez Valkyrie, tu gères les deux ma belle. Voilà. Parfait. On a géré à peu près avec 4 élixirs, enfin c'est pas à peu près si on a géré avec 4 élixirs la Valkyrie, juste 8. Donc c'est quand même assez insane, il y a pas beaucoup de troupes où vous pouvez faire des moves comme ça. Alors contre le PK c'est génial, on a vraiment tout l'arsenal nécessaire pour le défendre, j'adore. Garde et tombstone. Fournaise on a également. Là, le poison ainsi que la petite tombstone. Donc c'est très intéressant. On va quand même gratter, vous savez quoi? On va quand même gratter. Oui, on y croit. Pour l'instant, on prend pas de dégâts. On aura notre méga contre sa machine volante, malheureusement là. Ok, bon, ça va. On va juste garder. Voilà, mettre les petits gardes. Je pense. Non, elle connecte la coquine. La coquine, elle a connecté. Non. Je suis dégoûté. 2 PK, forcément. Mais on peut quand même mettre 2 coups. 2 coups, ça me bat. C'est rentable. On va quand même défendre. Ouais. Ouais.
Là, on sait qu'on pourra l'avoir au sort. Et au genre, il y avait un goût bizarre. Et au genre royal. Fantastique cette carte, j'adore. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que j'aime cette Valkyrie, qu'est-ce que j'aime, c'est toutes les cartes du deck, je kiffe. En fait, regardez. On garde la méga contre la machine volante. On garde la fournaise contre ça. En fait, je trouve que les cartes vont très bien ensemble dans ce deck. Oh, le petit coup. Allez, super combat, mon ami. Alors, après, on va plutôt mettre le Géant Royal ici. Voilà, on sert du Géant Royal en défense, en fait. C'est incroyable. Le Géant Royal défensif. On aura tout pour défendre le PK. Donc, évidemment, ici, on s'en est servi pour défendre le Royal Ghost, hein, le fantôme royal. Tout va bien. On va mettre la Valkyrie et on va juste méga Yargul ici. En deux coups, il n'y a plus rien. Hop. Alors, je suis pas sûr. Comment faire ça? On peut l'inciter à faire une erreur en mettant quelque chose dans le poison. Non, il n'y a rien. Hop. Deux petits coups, on va accompagner derrière. Je pense que ça va être la fin. Hein. On va bûcher. Allez, c'est la victoire. Super les potes. Bon, je vous rappelle que le top français est à 4900, donc on est quand même pas si mal que ça. J'espère continuer à briller. D'ailleurs, on fera un live ce soir. Live, j'ai pas mon coloc qui est là en plus. Bon, il me dérange pas, hein. Julien, tu me déranges pas, je t'aime bien. Mais non, mais voilà. En vrai, ils s'en bat les couilles quand je fais un live. Mais du coup, il y aura un live ce soir. Donc, si vous voyez cette vidéo, eh bien, je suis en live jusqu'à minuit, je pense. Ouais, ça va être une grosse session. Bijoux. Quoique, attendez. Ouais, je suis pas sûr. Bon, je vous mettrai sur Twitter de toute façon. Voilà, je commence à craquer. On met le Géant Royal direct. Excusez-moi pour les petits lags de webcam. Je sais pas d'où ça vient. Je suis pas un mec de la webcam, vous savez. On va quand même poisonner. Ok, là ça permet de gérer les petits squelettes. Plutôt sympa. On passe à 1005. Allez, 1005, s'il te plaît. Non, pourquoi je l'ai demandé? J'aurais pas demandé, il l'aurait mis ce... Ah ouais, géant. Ok, donc géant. C'est un peu notre match-up compliqué parce qu'on n'a pas de grosses cartes. Comme le mini... Oh là 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 là. Excusez-moi pour les petits lags de caméra, je sais vraiment pas d'où ça vient. Je suis pas un gars de la cam, moi. Bon là autant dire contre le prince, hein, on se met vraiment très très bien avec ces petits gardes. Malheureusement, si le géant continue. Ok. Bon. Ok. Bon. En soi, on a tout. Ah, il a acheté des belles emotes, faut que j'achète aussi. Faut que j'achète, donc géant prince en face. Ok, donc là il a mis sa pompe, autant dire qu'on va en profiter pour bombarder. Bombarder. Encore les petits lags. Mais ça vient d'où cette webcam? Me fait péter un câble, c'est fou ça. On défend pour 3. On va dire que la défense est plutôt très rentable pour lui. S'il continue à gagner de l'élixir comme ça, on n'est pas bien. Fallait qu'il mette... Oh. J'allais dire, fallait qu'il mette une sorcière ou des 3 mousquetaires dans le fond. Que je puisse la poisonner. Mais c'est juste ce qu'il vient de faire, ce champion du monde. Ah, c'est pas un français, putain. Si je commence à trash talk les français, ça va pas le faire. On met la Valkyrie directement, voilà, ici, pour pouvoir gérer tout ça. Et là, bah, je pense qu'on a fait faire une erreur à l'adversaire. Avec ce poison vraiment très rentable, hein, qu'on a placé. Ok, il met la boule de feu. Intéressant. La Valkyrie qui n'a plus de vie. Mais qui va quand même pouvoir faire un dégât, ça me ferait plaisir. Ok, c'était sûr. Le réflexe était là, hein. J'ai mis avec le petit index. Vous avez vu, très rapide. Après, c'est du 6, franchement. Aïe, 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 j'ai envie d'agresser les potes, j'ai envie d'agresser. Allez, une sorcière. Oui, il a remis ce. Oh là 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 là, c'est fou. Oh, c'est fou. Regardez, l'utilité de la méga. Et oui, les potes, c'était prévu. C'était prévu qu'elle allait faire des dégâts, c'est pour ça que j'ai misé à la méga. Et oui, elle fait plaisir. On va attendre le prince qui devrait arriver ici. Ok, il arrive en haut. C'est pas grave. Oui, c'est une possibilité aussi. Et là, on a un sort de rage qui n'est pas d'un boucheron. Sort de rage qui a été mis comme ça. Donc là, évidemment, le sort de rage en main. Le Géant Royal corner qui est beaucoup plus relou qu'avant. Parce qu'il met plus de temps. Allez, c'est gagné. On en fout de victoire, hein. Putain, je suis meilleur qu'en live. En live, je suis pas chaud, les gars, mais là, on est bien. À tout moment, il y a un mec qui ouvre la porte qui rentre, hein, je vous le dis. Tout moment, il y a mon coloc qui arrive. Ok. Alors, je sais pas, oui, parce que d'habitude il y a le fond vert, mais je vous explique. Avec cette webcam, comme. Putain, ça. Ah, attendez, ça me saoule. Juste, ça m'énerve. Pourquoi ça grésille comme ça? Non, mais ça m'en ouf. J'ai branché sur un autre port USB. Attendez, attendez. Tac. Sur un autre port USB un peu mieux.
Là. Voilà. Allez, connecte-toi, ma belle. Voilà. Bon, j'ai branché sur un USB 3.0. Je vous promets, je pète un câble avec le webcam. Avec mon appareil photo, je suis en manuel. Je suis tranquille. Là, allez, j'ai changé de port USB. What? What? Frère, c'est quoi? Je vous promets, c'est une galère ces webcams. C'est une galère. Je sais pas comment vous faites les streamers avec vos webcams. Bon, je dis ça, mais j'ai un appareil photo que je dois collecter par un boîtier que je dois alimenter en même temps parce que sinon il tient pas la charge. C'est le bordel, mais je vous promets, les webcams, ça fait putain de câble. Pourquoi je suis si lumineux? Je sais que je suis brillant, non mais je dis. C'est ouf. Bon, défend pour si. C'est trop lumineux, ça m'énerve. Pourquoi c'est comme ça? Non, mais ça peut pas être normal. Et ça. Bon, vous inquiétez pas, je vais le récupérer demain de toute façon l'appareil photo. Hein, mais juste ça me stresse. Là, c'est normal. Oh, c'est relou. Bon, on s'attend évidemment à son chevaucheur. On va être très bon dans le x2. Hein. On va agresser. Et on va def. Au garde. Allez, 1, 2, 3. Le garde en plus. On a bien défendu. Et on prend la tower. Je vous promets, ça m'énerve. Vous savez, moi, je suis vraiment le souci du détail. Et là, je vois cette webcam qui saute la gueule. Allez. On va pré-shot ça bien devant. Avec les gardes à gauche. Ça. Ah, ok, très bien. Le plan ne s'est pas passé comme prévu, mesdames, messieurs. Le plan a échoué. Là. Allez, on va mettre la pression. Coup de pression. Très bien, voilà. Et l'esprit de glace. Ok. La méga qui a fait quasiment tout le travail. Bon, le deck, je kiffe. Hein. Là, je pense que vous voyez que je me balade un peu. En plus, il y a une bonne nouvelle avec ce deck, les potes. C'est qu'il est en promotion. Comment dire? Il est pas en promotion. Mais en gros, vous n'avez pas besoin d'avoir ni beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des cartes comme les gardes en soi. Salut, je viens de perdre. Il y a des cartes comme les gardes en fait. Ils peuvent être au niveau 10 ou au niveau 13. C'est à peu près la même chose. Étant donné que forcément, ces cartes là vous servent à dévier. What? Il a changé de direction? Putain, je fais de la merde. Comment dire? Les gardes en fait vous permettent. Un prince doit toujours mettre 6 coups sur des gardes. Parce qu'il y en a 3. Et voilà. Donc c'est très utile. Donc pas besoin de les avoir à un niveau très élevé. Oh, le chevalier qui va bien se faire démonter là. Allez, mets ton cochon, merci. Elle a bien pris ça. Franchement, il joue bien. Hein. Il joue pas trop mal, on est à égalité. Par contre, là, j'ai quand même 7 élixirs sur le board. Hop, le canon, on s'attend. Forcément. Allez, la win pour Théo! Je me suis dit, il va falloir être sa boule de feu. Effectivement, il a mis. Il a mis après. On passe à 900. Très serré cette histoire, hein. On va mettre ça. Il a pas cyclé son cochon. He didn't cycle his hog. Très dangereux ce que je fais. C'est perdu les amis. Ça me saoule. Oh, quand je me fais avoir sur la fin. Vous savez quoi, quand vous commencez à faire 4-5 parties d'affilée, arrêtez, arrêtez. Après, il a vraiment un deck de Tarba à 2.8 qui commence sérieusement à m'embêter. Je déteste tous ces decks cycle, je déteste. Les mortiers cycle, les cochons cycle, je déteste. Alors qu'on joue contre Brad Pitt, hein. Bon, la vidéo va vraiment faire une demi-heure, mais désolé, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on va agresser, on sait quoi. J'ai totalement. Je suis en pétage de câble, donc j'ai le droit. J'ai le droit. Oh! Allez, on est en début de partie. Tu perds ta tour. Comment ça se passe? Ok, bah génial, hein.
perd sa tour ou pas? Allez, tu la perds! Oui! Forcément, au début de partie, vous n'avez pas d'élixir et c'est très compliqué de défendre. On va rattraper notre bêtise d'avant. Bon, là, ça devrait suffire pour défendre. C'est génial, hein, ce jeu. J'ai mal joué. J'aurais dû le mettre plus en bas, la méga. Eh oui. On repart sur un... Ils vont passer devant. De toute façon, les boules de feu, ça change rien. Hop, la petite bûchette. Même pas de coup de GR. Aïe. Ouf, ouais, ça fait péter un cap, cette webcam. En fait, elle change de luminosité hyper facilement. Bref. Je suis obsédé par la webcam, hein. Je suis vraiment... J'ai un gros problème. On va voir comment ça se passe sur Molos. J'ai jamais tombé contre Molos, on va checker ça. On va attendre qu'il vienne chez nous, on poisonnera tranquillement. On va mettre la Valkyrie pour tanker les roquets. On va se dépêcher, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de truc pour nous défendre. Juste un dragon infernal. On va s'en prendre un coup là. Arrête un peu. C'est une blague. Une galère ce soir le ballon. Une galère le ballon ce soir. Allez, là faut tout refaire. 2003, 2000. Allez, un dernier bébé. Voilà bébé, c'est bien. Bon, la contre-attaque est assez salée ici. Le ballon. Oh les gargouilles, c'est nickel. C'est pile poil dans notre champ d'action du poison. Je parle avec des mots bien trop complexes pour expliquer ce qui se passe, alors qu'en soi c'est pas complexe du tout. Stone. Ouais, bah, j'étais sûr en fait. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai. J'étais sûr qu'il joue à Tombstone ou le gang. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu. Bon, c'est gagné à 95%. Hein. Mais il reste 5% de défaite. J'ai rien. On va vraiment se la prendre ou... Non mais, attendez, parce que là quand même, ôte-moi d'un doute. Ah bon, on a rattrapé notre bêtise des potes. Bon, la vidéo fait une demi-heure, génial, sortie à 21h. Passez une bonne soirée les potes, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec la caméra et non pas cette webcam pourrie. Et on est à 4743, c'est pas mal. Ok les bros, gros bisous, je vous kiffe et puis à très bientôt. Ciao.